Jean Internet. On se reprend aujourd'hui pour une autre vidéo. Enfin, un début de vidéo. J'étais en train de m'éloigner et en fait, j'ai fait mon kit minerai, vous voyez. Et là, j'ai remarqué quelque chose en fait que j'avais pas vu dans les, avant. Regardez, on peut voir quel est le meilleur minerai en fait. Donc, on peut voir diamant, urite, sélénalium, titacète. Je sais pas comment le dire celui-là. Puis ensuite, on a le météore et le space. Donc, c'est quand même assez cool parce que j'avais pas remarqué. Mais quand l'abonné hier m'avait donné ça, j'avais pas vraiment regardé. Ça, on n'a pas vraiment de besoin. Après ça, pas vraiment non plus. On a vrai. Oh, on a des or, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a comme autre kit? On a explosif, bâtisseur peut-être, druide enchanteur. Enchanteur, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Ça nous donne des livres. Ouh, des bons livres quand même, hein. Des bons livres, on va regarder ça. Puis ça pour te faire des niveaux. Là, ça me prendrait une pioche, mais genre. Gladiateur. Ça, ça doit être le grade de base, non? Oh, il n'y a même pas de pioche dedans, Calis, les gars. Même pas de pioche, Chris. Ok, on est mal parti, les amis de l'internet. Vraiment mal parti. Nourriture. On va faire un random kit. Attends, c'est random kit. What? Ok, on a un kit à what? C'est bien cool ça. Je pensais que ça nous donnait un kit au hasard dans tout ce qu'on avait, mais non, en fait, ça nous donne un kit au hasard dans tous les kits. What? C'est bien cool. What? C'est bien cool, man. What the fuck? Ok, ok, je savais pas. Explosif. Cessive de creeper plus de la TNT, si on va garder, c'est très important. Et, ben là, Chris, bâtisseur, j'espère que je vais avoir au moins des affaires pour... Ok, on a un problème, les gars, il n'y a pas de bois, Chris, fait, faut que je trouve du bois. Bon, j'en reviens, je vais faire une pioche. Ok, j'ai en internet, j'allais t'inviter. Oh, ok, c'est cool. J'attends après un gars qui s'appelle Zach. Oh, il est là. C'est justement, c'est lui. J'attends après lui, donc... J'ai aussi reçu des skill bags, donc viens-t'en. Lui avait besoin de ça. On va faire un échange avec lui. Tiens. Merci mon ami. Donc, slash back, on va pouvoir enfin miner nos, nos trucs. Donc, on va lui en drop 5 de plus, tiens. Parce qu'on est gentil. Donc oui, j'ai des skill bags, so let's go. C'est quoi les skill bags si vous savez pas c'est quoi? C'est des enfants qui sont achetables sur la boutique. Bon voilà, des trucs qui sont achetables sur la boutique, les amis, vous le savez. Ça c'est des nouveaux blocs de laine en 1.10, non? Je sais pas. Je sais pas les gars, j'ai jamais joué à Minecraft en fait, pour être franc avec vous. Pierre de météore, ça je sais que c'est bon. Ça c'est de l'obsidienne de couleur, ça, ça risque d'être bon, on va la regarder. On va regarder tout ça. Let's go, vous ouvrez 12 skill bags, boum! On a eu quoi? Un arc en urite avec un effet qui donne le poison. Intéressant. On a eu un pantalon en titane. On a eu 8 sélénium. 6 œufs de creep. 64 obsidiennes. 3 pommes shit! Oh! Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est très bon même. Ça c'est bon. Bon, je vais arrêter de faire des cris de meuf. Pardonnez-moi. Ensuite. Plastron, je pensais que c'était un truc spécial. Oh, une pièce à spawner. Pièce à spawner plutôt. 8 perles. Un arc. Puis des pièces à spawner. Bon. On n'a pas été très chanceux. Hein. Pas été très 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 chanceux. Fuck! Bon, on va mettre des trucs au HDV. On va essayer de se faire de l'argent. Bon, comment on fait pour aller au HDV? Bon, wow, ok, il n'y a pas d'HDV. Yes, tu te calles. Ok, attendez. Market listing. Ok, c'est vrai, c'est ça. Bon, ok, tabarnak. Là, là, je vois. Vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas exécuter cette commande. Hey, c'est une show. Tabarnak. Faut que je me calme. Bon, je vous reprends un peu plus tard, les amis. Au revoir. Ok, les amis. Il y a un ami fidèle, en fait, qui s'appelle Dark, lui, là. Donc, il m'a dit qu'il y avait un don pour moi, si on va voir si c'est vrai. Fait qu'on va juste mettre tous nos trucs là pour venir voir ce qu'il va nous drop. Il dit qu'il y avait un don, je sais pas si c'est vrai ou s'il va essayer de nous tuer. Mais bon, en cette position-là, tu me donnes tes kits. Non. Salut, Tatia, subscribe, j'ai un piège pour ta chaîne YouTube. Message, paiement, oui. Vas-y, je suis prêt. Je rec, mon ami. Il me donne des minerais bleus, des titanium, 6 œufs de creeper, merci. Il me donne... Charnet 5. Oh!
Ouh, ça c'est bon, c'est une sharpness 5, les amis. On n'en avait pas d'épée en plus qui était vraiment douée. Donc nous, on va, en échange, on va lui donner ça. Puis ça. Tiens. Bisous, mon ami. Merci pour ton don, ça fait plaisir. Je vais juste lui écrire merci quand même. Je suis un fils de pute, mais pas. Quand même pas. C'est quoi son pseudo? De Dark. Merci beaucoup. Bon, je vous reprends pour une autre séquence tout de suite après. Il dit, tu veux un P4? J'ai dit, bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il va vraiment m'en donner un? Ok, il m'a arnaqué, c'est bon. Je le savais, il m'a arnaqué, c'est bon. Je vais me suicider, au revoir. Petit CRTP, peut-être qu'il veut pas... Il veut pas m'arnaquer, on va voir. Ce serait triste sinon. Je te le donne car t'es un QC. Ouh! Oh! Shit! Pensez-vous vraiment qu'il va me le donner ou c'est un troll? Oui. Oh, il monte ses fesses. Les gars, c'est mon premier P4 que j'ai à vie. Waouh. Waouh, les amis. Wow. Je suis exténué. On va lui donner un peu trop quand même. Merci, mon ami. Merci. Merci beaucoup, sincèrement. Ça fait plaisir à chaque fois que je reçois des dons. Je suis vraiment, vraiment content. Un gros merci à toi, mon pote. Et puis, je vous reprends pour une autre séquence. À tout de suite. Ah, genre de l'internet. On se reprend en fait un autre jour. Je me suis connecté. Là, j'ai checké mon underchest. En fait, si vous me croyez pas, je viens de me reconnecter. On est aujourd'hui le 20 août 2017. Je me suis dit qu'on allait faire ça vu que j'avais pas fait ça la dernière fois. Et aussi qu'on allait. J'ai lu quelques-uns de vos commentaires. Beaucoup d'entre vous veulent me recruter. Beaucoup ont des dons. Ok, il faut le miner avec une fortune. Ah non, c'est bon, ça nous donne des minerais. Ok. Je pensais que ça nous donnait les mêmes minerais. Je pensais que j'avais l'air d'un cave, je pensais. J'étais genre, oh non, mais j'ai pas de fortune, mais... Normalement, je vous conseille de faire ça la fortune. Beaucoup plus intéressant. Et qu'est-ce qu'on a eu comme minerai au total? On a eu du rite, puis du... Ok, on a vraiment eu de la merde. En fait, faites jamais ça, ça vaut pas la peine. Bon, je vais essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire. Peut-être rejoindre une faction, puis je vous retrouve. Les gars, j'ai joué une faction d'abonnés fidèles qui m'ont bien voulu m'inviter. Ils m'ont dit, on a une grosse BP Icons, viens nous rejoindre. Et là, j'ai fait, ok, j'arrive les amis. Je fais un foam. Et là, on arrive dans un endroit avec de la bedrock et tout. Et on peut témoigner qu'ils ont en fait pas de BP. Donc, je vais juste leur laisser un cadeau. Donc, prenez ça. Comme ça, voilà. C'est un petit cadeau, même si vous avez pas une grosse base et que je veux sûrement quitter votre faction. Ça fait un petit cadeau. Donc, voilà. Oh my god, merci bébé, je dois leur avoir donné des trucs qui sont bien. Regarde, ils ont des coffres. Oh, météorite tabarnak! Oh, il y a une météorite en cours ici. On devrait-tu la faire? Ok, je vais essayer d'aller trouver les... Ok, je vais y aller. Je vois là-bas les gars, puis on se reprend. Oh les gars, j'ai trouvé ce que je cherchais du combat. Toi, t'es mort. Premier kill sur le serveur, les amis. Je suis très très doué, comme vous pouvez témoigner. Puis là, on va essayer d'éloigner ce gars-là. Let's go. Bon, lui, il veut allier avec moi, ce qui paraît. On va essayer de tuer le gars qui est en bleu là. Parce qu'il a le même stuff que nous, qui est le deuxième meilleur stuff. Pensez-vous qu'il va nous amener à son AP, genre? Oh, faudrait pas que je meure dans une AP, est-ce que je serais triste là? L'autre gars il nous suit. Non, l'autre gars il nous suit pas. Mais il essaie de se taper à nous. What the fuck, je comprends pas. Mais let's go, on va essayer de faire Cartman. Si tu veux te retourner pour faire un 1v1, ce serait vraiment sympathique. Mais bon, c'est pas parti comme ça, hein. Y a personne derrière screen. Ouais, bon, bah, je vais pas faire un screen. En plus, il y a mieux d'un fucking PVP, dude. Il a pris une punch sheet. On a quelques coups. Oh, 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 oh mon dieu! On lui donne le pénis, les amis! On lui donne ce qu'on appelle le pénis dans mon milieu, les amis. Oh putain! Le gars, il se prend tellement de coups. Le gars, malheureusement, très, très doué, ce joueur. Minecraftien, HD fun. Et oh putain, les gars. Oh, on l'encule, les amis. Sa pump sheet va bientôt finir, puis aussitôt que sa pump sheet finit, oh my god. Les gars, faut finir le fight au complet avec lui. Je pense que même si on prend pas notre pump sheet, je pense qu'on peut le tuer parce que... Regardez le nombre de coups qu'on met de plus que lui. Oh, Asti, il a paniqué là. Et il va vouloir back, les gars. Asti, j'aime ça, PVP sur ce launcher là, les gars. Si vous voulez, je peux vous faire juste des épisodes full PVP. En tout cas, faudrait juste que je me trouve une fac qui a pas mal de potes. Pour PVP, ça, que ça fait longtemps que j'ai pas PVP en plus. Ah ouais, je l'ai un peu poussé dans sa pote. Faudrait peut-être que je le garde sur le côté. Chris, il arrive à se bien. Il a pris une autre pump sheet, les gars. Une deuxième qui prend.
Ok, il faut continuer à mettre la pression. Faut continuer à mettre la pression, les gars. Si on continue à mettre la pression, mettre quelques coups en plus que lui. Parce que notre armure, nous, elle est... on le répare juste avant. Je sais pas si vous avez vu, mais elle était à 100% au début du fight. So, on va juste se heal, vite fait. Là, il y a aucun endroit où il peut partir, je crois. C'est un système anti-back AP, ça. So, ça, c'est cool. Fait qu'on peut le taper jusqu'à temps que son armure broke. Ça, je pense, c'est vraiment un avantage pour nous. Parce que, qu'est-ce qui va arriver, c'est que lui, doit sûrement beaucoup de stuff. Beaucoup de pics, beaucoup de pommes, etc. Moi, non. J'en ai juste une. Et comme je vous dis, je la garde en cas de besoin. Je pense pas qu'on va en avoir de besoin. Parce que regardez, c'est ce que je pensais. Et il va commencer à back maintenant. Vers le haut, là, ici, de la montagne. Possiblement. Il va essayer d'aller vers là. Je sais pas si dans la neige, il faut courir. Ça court plus vite si on saute. Je sais pas qu'est-ce qu'il essaie à quoi il joue. Mais il faut vraiment essayer de se battre contre lui. On a un clair, un bon 1v1. On a une grosse avantage sur lui. En fait, nos PvP skills sont beaucoup plus bons de notre côté que du chien. Donc, on devrait être capable de faire ça. Oh non, je viens de le perdre, je pense. Je pense que je viens de le perdre. Il nous a jeté une poisson de anti-back AP. Je crois. Je suis pas certain. Ah, il faudrait qu'il nous frappe, là, franchement, genre. Ok, ce gars-là, il est calme en tabarnak. Vous voyez, il y en a un autre encore. Moi, j'aurais jamais été capable de tenir dans un combat 1v1 égal. Contre lui, j'aurais jamais été capable de tenir. Ok, il est-tu calme? Let's go, je vais continuer à te hit. Ton armure va broke, man. Oh non, il se fixe, il se fixe. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a enlevé ses pantalons. Il a changé. Il a pas deux armures sur lui en plus. Oh my god, les gars, je pense qu'on va mourir ici. C'est ici notre destinée, les amis. C'est ici qu'on doit mourir. Si on doit mourir, c'est ici. Oh non, sérieux. Hey, fais pas ça, gros, là. On était dans un clear 1v1, là. Ferme ta gueule puis décalise d'ici. Des cris, sérieux, man. On était dans un 1v1 clear. Ouais, ça ce qui paraît, c'est ça qu'il veut. Bon ben, let's go, on va prendre toi d'abord, hein. Ah, puis là tu vas back comme une tapette. Est-ce que c'est-tu vraiment juste ça du PVP sur ce serveur-là? C'est-tu juste vraiment ça, les gars? Genre, les gars, ils veulent même pas terminer leur combat. Si c'est vraiment ça, les gars, je pense pas que je vais rester ici, hein, no fake. Je vais me tirer d'ici, sérieux, parce que moi, je veux faire du combat. Je vais m'amuser, mais là, c'est pas très, très jouable, comme vous pouvez témoigner, s'ils font juste back comme ça. Moi, j'ai pas d'arc, le gros, là, sérieux. C'est pas cool, là. Faut sauter sur la fucking glace, j'avais oublié. Oh, wow. Vraiment talentueux, hein. Lui et Cartman, là, très talentueux. Les deux, on les encule et ils décident de back. Surtout Cartman, là. J'espère que si t'écoutes cette vidéo-là, tu viens de te rendre compte que tu viens de te faire humilier, mais genre solide, mon boy. Oh my god. Bon, ben, slash spawn, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Calice, man. Ça va pas être le fun, c'est juste de même, hein. Gars, l'abonné vient de me demander un screen. Sur ça, je pense que j'ai terminé l'épisode ici aujourd'hui. Le gars, en fait, Cartman pis l'autre, ils se sont excusés. Ils ont dit que c'était pas très Charlie et tout. Mais bon, Cartman était en train de mourir. Hein. Il y avait deux sets d'armure, etc. Enfin, bref. C'est des choses qui arrivent, les amis. Moi, j'ai pas su avoir. Un arc punch pour ma beau punch. Mais inquiétez pas, si vous voulez me donner du stuff ou quoi que ce soit, les amis, je vais le prendre avec grand plaisir. Je suis connecté souvent le soir, donc là, chez moi, il est 18h, donc il y a environ minuit chez vous. Je suis souvent connecté vers ces heures-là sur Skill PvP. Pourquoi? C'est très simple, parce que dans la journée, je m'occupe de ma chaîne CSGO, je m'occupe aussi de d'autres vidéos sur ma chaîne. Et puis le soir, c'est mes petites soirées sur Skill PvP. Je les passe la plupart des soirées sur Skill PvP. Puis comme je l'ai dit, ben, moi, mon but, ce serait juste de faire du PvP comme ça. Je peux avoir un screen. Lui aussi voulait un screen tantôt. Moi j'ai pas de soucis en fait à vous faire juste des séquences PvP. Si c'est ça que vous voulez voir, comme je suis quand même, je suis pas le meilleur là, les gars, on va pas se cacher, je suis pas tellement bon PvP, mais est-ce que j'aime ça PvP, genre je trouve ça tellement drôle, genre surtout avec les réactions que j'ai quand je combo un gars ou quoi que ce soit, je trouve que c'est drôle, puis j'espère que ça vous fait rigoler vous aussi. Sur ça les amis, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Skill PvP. Je vous aime les amis, c'était Icons, peace.